Youssef Chebbi, vous signez avec Ashkel un film de genre tunisien, c'est un polar, et c'est le deuxième film qui est présenté à la compétition du Festival du film international de Marrakech. Déjà, ça fait quoi d'être à Marrakech? Très très plaisir, on est fiers de présenter notre film ici. On était déjà là en 2019 alors que le film était en développement, donc le festival a été attentif au développement du film depuis le début. Et donc voilà, on est très très fiers de le présenter aujourd'hui dans cette sélection. L'architecture joue un rôle important dans votre film. On voit aussi la présence du feu énormément sur le film. Expliquez-nous, vous avez pensé à quoi? L'idée, c'est que je voulais que le film aille quelque part vers un côté fantastique, un peu plus abstrait. Et pour casser un peu ces lignes droites et ce côté très minéral et gris comme ça de ces immeubles, chercher un motif qui soit plus abstrait, plus incontrôlable. Et donc l'idée du feu, parce que bien sûr aussi cette ville, elle est, en tout cas l'arrêt du développement de cette ville, elle est directement liée à l'immolation de Bouazizi. En fait, le film pour moi, c'est emprunter des motifs de la Tunisie contemporaine, et qu'ils soient politiques ou sociaux, mais essayer aussi de les traiter via le filtre du cinéma de genre, le fantastique, le polar, etc. En tout cas, merci Youssef Chebbi, et bon courage pour la suite.